il y avait eu près de plus de 16 personnes, oui, enfants ou adultes, qui ont été enlevés en un mois. Voilà. 40. Ah, 40. Merci. C'est un peu. Bon, ça, c'est ceux qui ont eu la chance de, voilà, de venir donner l'information, voilà, sans compter dans les, voilà, dans les contrées les plus lointaines, ce qui s'est passé tout et tout. Et bon, ça continue. Donc, on a besoin que ce genre de crime-là, que ça s'arrête. Et que l'impunité aussi s'arrête. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une, dans un régime de démocratie, dans un régime qui est censé respecter les droits humains, et puis se retrouver avec des cas aussi flous. J'ai dit des cas aussi flous, parce que on ne retrouve jamais, voilà, les personnes qui ont commis ces crimes. Aucune enquête ne... Et les enquêtes n'aboutissent. On n'en entend jamais parler. Sans vous interrompre, oui, sur le cas du petit Bouba, l'assassin a eu même à dire qu'il a été envoyé par une autorité, mais on ne parle pas d'enquête, on ne sait pas laquelle autorité. Ils se sont juste contentés de mettre l'assassin en prison, et on ne parle plus de cette affaire. La femme du président Ouattara s'est déplacée pour aller au domicile des parents, d'où a été déposée une enveloppe apparemment de 4 millions. Donc on n'en parle plus de cette affaire. Donc, comme vous le dites, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai dit, c'est Dieu qui vous envoie, parce qu'il faudrait que cette histoire soit vraiment élucidée, parce que Méambly, à travers sa conférence de presse, il a nargué le défunt, il a nargué la mère, il a nargué le père, il a nargué tout le monde. C'est comme s'il était intouchable. C'était comme s'il était le Dieu vivant qui avait droit à tout. Qui avait droit à tout. Il s'est moqué de l'âme de ce jeune homme qui est décédé, tragiquement, dans son cortège à lui. Tantôt, il dit, c'est vers le domicile du président Bédié. Après, c'est lui qui dit, c'est vers le domicile du président Gbagbo. On ne sait plus exactement. On ne sait plus exactement. Donc, ce matin, lorsqu'on vous a eu, j'ai appelé le père de Brice, c'est son Yéhi, on l'a eu au téléphone et on lui a fait cas du contact qu'on a eu avec vous, et que quand vous allez rentrer, certainement vous allez les rencontrer, et puis ils vont vous expliquer encore plus, parce que voilà j'ai même appris, sans vous couper Maïli, qu'il y aurait eu des menottes ensanglantées. Exactement. Dans le sac. Dans le sac à dos appartenant à Brice. Voilà. Des menottes, il a dit dans sa conférence de presse que Brice n'est jamais rentré, il n'est jamais entré à la marine marchande. Il a dit, et la mère a sorti les documents du jeune homme attestant qu'il était réellement à la marine marchande. C'est parce qu'il était à la marine que Méambly lui a dit qu'il allait l'aider à gagner en grade. C'est pour ça que le jeune homme était avec lui. S'il n'était pas entré à la marine, comment lui, il allait l'aider à gagner en grade à la marine? Or, il était déjà là-bas. Mais Méambly a dit, il a dit tellement de contre-vérités. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et depuis le début, avec mon mari, avec Hervé, on n'a pas arrêté de dire qu'il faut lever l'immunité parlementaire de ce monsieur. Parce que c'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous avez raison, parce que moi je dis que ce n'est pas au cours d'une conférence de presse qu'on peut donner les véritables motivations, qu'on peut arrêter tout ce qui s'est passé, exposer les conditions dans lesquelles une personne est décédée. Et tout ce que j'ai appris me permet de conclure, de déduire que le jeune Brice est décédé dans des conditions non élucidées, dans des conditions pas claires. Et c'est pourquoi, de prime abord, j'ai dit qu'il faudrait que les responsables, les autorités, puissent se saisir du dossier. Exactement. Pour que l'immunité parlementaire de la personne
qui est, j'allais dire, indexé, notamment l'honorable Méambly, puisse s'expliquer, mais devant un juge d'instruction. Exactement. Devant un juge d'instruction. Parce que devant les journalistes, la mère peut dire ce qu'elle a entendu, des circonstances de la cause. Monsieur Méambly aussi peut exposer ce qu'il imagine, mais on ne connaîtra jamais la vérité. C'est ça. Donc, pour avoir la véracité des faits, il faut que, absolument, l'immunité parlementaire de monsieur Méambly Evariste soit levée. Voilà, nous sommes venus rencontrer maître Françoise Ofumu. Tout est clair. Si nous avons en Côte d'Ivoire une justice impartiale, non partisane, c'est l'occasion. Dans ses dires, elle a énuméré tellement de pistes qui peuvent permettre, qui peuvent faciliter l'enquête. Alors, maître, tout à l'heure, j'ai failli tirer la conclusion, mais je vous ai senti. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ben, ce que je peux ajouter, c'est que pour que la justice ne soit pas soupçonnée, pour qu'on ne dise pas que la justice ivoirienne est corrompue, mais il faut que l'enquête soit menée de bout en bout, comme il se doit, et que les personnes qui doivent être interrogées, notamment toutes les personnes contre lesquelles l'honorable Méambly a déposé plainte, ne devraient pas être en pleine circulation. Voilà. Je ne peux pas comprendre que un cortège qui s'élance avec des personnes de sécurité à bord, mais de tierces personnes, viennent s'introduire dans ce cortège. Pour commettre des crimes. Pour commettre des crimes. Est-ce que ce sont ces personnes qui ont éliminé Brice? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une lutte entre ces personnes et Brice? Mais pourquoi? D'où vient le sang qui était sur les menottes? Est-ce que Brice a été enchaîné avant d'être éliminé?